Bonjour, c'est Véronique et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 24e jour du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Alors aujourd'hui, je suis tard parce que ça y est, ce sont les vacances. Donc là, ce matin, j'ai vraiment pris le temps de m'étirer, de m'éveiller, de traînasser dans mon lit avant de venir vous rejoindre et ça fait un bien fou. Alors aujourd'hui, excusez-moi, il est question de partager ses richesses. Alors, dans le carnet du défi, l'invitation de Lilou, c'est d'éventuellement trier, désencombrer et offrir. J'ai beaucoup trié, désencombré ces derniers temps, donc voilà, là, puis c'est pas vraiment au programme aujourd'hui. Donc, je vais voir comment la vie va me proposer de partager mes richesses. Et la richesse, c'est au-delà du matériel, ça peut être offrir du temps d'écoute. Offrir un regard, offrir une main à quelqu'un qui en a besoin pour traverser la rue ou attraper quelque chose dans un rayon. Bref, je vais voir comment je peux partager la richesse que je suis. Parce que je pense que nous sommes tous profondément riches de plein de choses et qu'on peut partager qui on est, ce qu'on sait, ce qu'on possède, mais aussi simplement ce qu'on est. Donc je pense que de mon côté, le partage va plutôt être aujourd'hui dans ce que je peux apporter comme aide, comme soutien, comme écoute, plus qu'un partage matériel, mais pour moi, c'est au moins aussi important, et surtout, c'est dans quelle intention on le fait. Donc, je pense que quand on me donne un cadeau, au-delà du cadeau lui-même, c'est l'intention avec laquelle on le fait. Donc, de mon côté, l'intention aujourd'hui va être vraiment de mettre encore plus d'amour et de bienveillance et de présence dans ce que je vais donner à mon entourage, que ce soit à manger, un sourire, un coup de main ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment l'intention du jour, c'est de donner en pleine conscience. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain dans un autre lieu, autre décor. Prenez vraiment bien soin de vous et mettez la conscience dans le don. Voyez ce que ça fait. À demain, belle journée. Au revoir.